Il s'agit de mon petit-fils, l'enfant à mon neveu, qui était perdu. Bon, chaque fois qu'on venait, bon, moi je viens souvent ici, je prends le sang de Jésus. Et l'enfant, il est tellement bandit, son papa se plaint à tout moment. Donc, je lui ai donné le sang de Jésus. Il dit, il faut aller, c'est ça, il faut mettre ça dans la maison, il faut mettre ça sur lui. Et quand il a fait ça, l'enfant a fui de la maison. Il est parti. Une fois, on l'a retrouvé. Deuxième fois, quand il est venu, comme il est avec mes neveux, on lui a demandé, mais qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce que tu as? Il dit, on lui demande pourquoi tu fuis de la maison. Il dit, le sang des gens, il y a un feu, il y a le feu dans la maison. Il y a le feu dans la maison, ce qui fait, je ne peux pas rester ici. Que mes gens qui viennent, c'est eux qui me font sortir de la maison. Mon enfant est parti. Il est parti. Ça fait maintenant un mois. Et moi, je suis venue. J'ai pris le lait, j'ai décidé de prendre le lait. J'ai pris le lait. Le troisième jour, le troisième lait, le lendemain, on m'appelle pour dire qu'on avait trouvé l'enfant. Son papa même est venu aussi. Et il a expliqué ça à papa. Et papa a dit, prends ta joie, va. Prends le lait et va. Donc le lendemain, son papa a retrouvé l'enfant. L'enfant est venu à la maison. Donc je voulais prendre ça. Merci à vous de me voir. Amen. Our sister is here to thank God of that Florian because she lost a nephew. By Holy Spirit, the blood of Jesus in the house, the boy ran from the house and he was lost for 3 days. But after drinking the milk by the boy place, they refound the boy. Amen. Just to give glory to God.